Gabriel Calderon Pellegrino, c'est nouveau sélectionneur Haïti. De l'autre côté, Léo Messi sanctionné et suspendu pour 2 semaines dans PSG. Gros scandale pété dans le pays Espagne, Barcelone menacé pour quitter Liga. Mauvaise nouvelle pour les fans de Cristiano Ronaldo et Jorginho qui trouvaient dans l'hôpital Ariane pour opération Petite Fille. Mes vidéos chitam pour avoir plus de détails et l'autre information. Bonjour, bonsoir, comment vous êtes? Mon cap parler à c'est chacun Joseph. Mwen tout bienvenue pour une nouvelle sortie. Mais avant de démarrer avec information yo, m'a mande s'il vous plaît, pèse bouton abonné pour abonner avec page là si vous pouvez faire ça, activez cloche notification, mettez-le sous tout pour pas rater aucune vidéo, quittez un like en bas vidéo ça, opinion là en commentaire a vraiment important et partagez vidéo ça dans tout groupe et dans l'autre page. Pour plus de monde capable d'informer le travail là. On démarre avec information. Gabriel Calderon Pellegrino, c'est nouveau sélectionneur Haïti. Technicien hispano-argentin qui occupe le conseiller technique dans la Fédération haïtienne de football là pour assurer intérimat indiqué par la Fédération haïtienne de football. Alors, il est âgé de 37 ans. Lui déjà travaille au niveau de la Liga espagnole et dans le Moyen-Orient. Lui c'est consultant dans la FIFA qui collaborait avec UEFA et l'Université du Real Madrid. Lui possède également licence UEFA Pro qui donc capable dire très bien principal objectif lui c'est mener Haïti loin dans ça qui gagne à ouais à Gold Cup 2023. Déjà, on souhaite bonne chance. De l'autre côté, coup de tonnerre entre Paris Saint-Germain et Léo Messi. Après défaite Paris Saint-Germain, 3-1, t'es gagné 2 jours de repos. Alors, Messi t'a demandé autorisation pour le terrain dans le pays Arabie Saoudite, puisqu'elle est ambassadeur. Mais Christophe Galtier et Luis Campos pas accordé. Eh bien, Messi dit ça fait garder nous, l'Iran dans le pays Arabie Saoudite, Saoudandéa, bagay la vin mélangé, Paris Saint-Germain décide de sanctionner Messi, non seulement pour ne pas entraîner et pour ne pas jouer quelques matchs. J'aime t'annoncer ça, gros scandale pété dans le pays Espagne, Barcelone, songe pour le capable de quitter Liga, et al joué dans l'autre championnat européen en cas de tabal sanction dans le championnat Liga. A rappeler que Barcelone était déjà et pensé pour te quitter le championnat Liga lorsque et ville Catalogne lui-même t'a revendiqué pour être capable de jouer indépendance. Mauvaise nouvelle pour la France de Cristiano Ronaldo et Jorginho qui trouvait yo dans l'hôpital Ariane parce que petite fille yo pour elle subir une opération chirurgicale. Alors, sa reine famille est vraiment mal à l'aise. L'autre information, Cristiano Ronaldo t'a capable de quitter Al Nassr pendant seulement 4 mois depuis l'arrivée dans le pays Arabie Saoudite. Alors, Cristiano Ronaldo t'a déjà lancé aventure dans le pays Arabie Saoudite et a songé quitter Al Nassr pour être capable de devenir ambassadeur Real Madrid et mettre fin à la carrière footballée. Toujours à l'échelle internationale, Erling Haaland, John Stones et Kevin De Bruyne nommés pour titre meilleur joueur citizen pour moi avril. En pile qu'à content dans le pays Espagne, Real Madrid signé Toni Kroos, yon nouveau contrat li fait 100% et contrat ça pour être valable jusqu'à juin 2024, sans option ni clause libératoire inclus. N'a toujours été à l'échelle internationale, pas gain accord entre Liga et Barcelone sous question fair play financier. Et qu'à entre revenus et dépenses Blaugrana yo jugé comme trop important. Gen Paris Saint-Germain qui évalue les profils joueurs que lui-même a cherché pour prochain mercato.
Alors, yon attaquant pointe, yon second attaquant, yon ailier et yon milieu défensif. Koudzi pour Liverpool, Thiago Alcantara forfait pour toute reste saison, selon Paul Choice Times. Real Sociedad, humilié Real Madrid, 2-0 dans la 33e journée championnat Liga. Bagayon compliqué pour Carlo Ancelotti. Bonne nouvelle pour la fin du Barça. Officiel, Barcelone qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Pour finir, Duke Nazo, bravo pour peuple haïtien qui a cherché sécurité dans le pays. Alors, c'est ça, monsieur lui-même, il a déclaré sous compte Instagram. Merci parce que tu prends le temps pour te suivre émission Passeport. Moun qui te vote le pouvoir, c'était Chacun Joseph. À la prochaine pour une autre sortie.